je te concocte une série d'exercices physiques que tu vas pouvoir travailler où tu veux. Je suis avec Jules Marie, ancien 228e mondial, et je suis trop content de te montrer des exercices qui vont te permettre de travailler ton revers, de travailler ton petit jeu de jambes en revers, de travailler ta vitesse, ta dextérité au niveau des pieds. Ce sont des exercices que tu peux répéter dans ta cour, que tu peux répéter à côté des terrains de tennis comme nous on l'est là, que tu peux faire en période d'entraînement, que tu peux faire juste avant un match. Avec ces exercices, tu vas pouvoir gagner en rapidité, tu vas pouvoir gagner en dextérité, tu vas pouvoir être beaucoup plus à l'aise sur le court. Une anecdote, c'est que mon père nous faisait tout le temps faire ces exercices petits, ça me saoulait. Et le déclic pour moi, ça a été une fois où j'étais un peu au fond du seau, au fond du gouffre. Il m'a fait faire ces exercices pendant une semaine et j'ai gagné 3 tournois après qui, je me le rappelle, m'ont permis de passer de 15-2 à 15 à l'intermédiaire. Et c'était clairement grâce à ces 3 victoires en tournoi. Donc, c'est l'exercice que tu peux faire dès maintenant pour progresser. Je te les montre. Premier exercice que tu vas pouvoir faire, c'est un exercice de plot. C'est parti, Jules. On t'entend pas, je vais venir avec toi juste là. Je te mets dans le cadre et je vais dire en même temps. Ouais, donc là, c'est un exercice de montée de genoux où tu vas devoir poser un pied entre chaque plot jaune. Deux pieds entre chaque plot jaune, pardon, il y a plusieurs variantes. Donc tu poses tes deux pieds entre chaque plot jaune et dès qu'il y a un orange, tu viens te décaler sur le côté. On regarde Jules en action. Là. Ça part sur le côté, on simule un revers, tu reviens au centre, tu poses tes deux pieds, ça part sur le côté. Ok, donc pour répète, entre à chaque plot orange, et je vais me mettre sur le côté après pour que tu vois un peu mieux, Jules va venir faire un appui ouvert sur le côté. Là, il part sur appui en ligne, c'est une deuxième variante. Dès qu'il y a un plot orange, là, tu pars sur appui en ligne et tu reviens au centre. Appui en ligne, tu exécutes ton revers et tu reviens au centre. On va refaire la deuxième variante avec cette fois-ci appui ouvert. Là, appui ouvert, ça frappe, tu reviens au centre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça part à gauche, appui ouvert, tu exécutes le revers, tu reviens au centre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, tu pars sur le côté, appui ouvert, ça frappe le revers. C'est des très bons exercices, tu vois, Jules, on le voit déjà respirer. Ça veut dire que c'est des exercices qui te mettent tout de suite en condition, qui font un petit peu chauffer et monter le rythme cardiaque. Et c'est parfait pour un échauffement d'avant-match. Exactement. Tu peux aussi le faire avec un medicine ball si tu as. Tu peux aussi le faire avec un medicine ball si tu as, donc un ballon beaucoup plus lourd, 3-4 kg par exemple, ou même 2 kg. Un ballon pour échauffer. Très bonne situation donc avec la raquette, pour avoir la raquette en main, mais aussi avec des medicine balls qui permettent aussi de descendre peut-être un peu plus sur les jambes pour chauffer les cuisses. Yes. Ok, on te retrouve dans un deuxième exercice physique qui va te permettre de travailler ton revers. Ici, on utilise un élément supplémentaire qui s'appelle les mobilos. Ce sont des coussins d'air qui vont te permettre de travailler la proprioception. La proprioception, c'est le fait de pouvoir rester bien balancé sur un socle et ça va travailler ton muscle, ça va travailler tes ligaments, ça va te chauffer de façon... Pardon ? La cheville, de façon à ce que tu chauffes ton muscle et que tu le durcisses, que tu l'intensifies, que tu le muscles tout simplement. Donc ici l'exercice, Jules est en proprioception sur les mobilos et maman va lui envoyer les balles pour qu'il les rattrape et j'imagine maman lui envoie les balles côté revers et lui va pouvoir lui renvoyer la balle. C'est parti les gars. Là, allez, premier essai, fail, c'est bien, ça montre que même un des meilleurs joueurs du monde se craque. Voilà. Donc là, la balle arrive côté revers de Jules. Et il se chauffe la main gauche. Pourquoi tu fais pas deux mains ? Ok. Donc, pour un droitier, tu vas pouvoir recevoir la balle côté gauche. Je t'assure que ça chauffe aussi ton œil, ton mental. Ça te prépare pour être prêt sur le terrain. Ces exercices, toujours quand on les voit, qui paraissent extrêmement faciles, je t'assure que la réalité, c'est que c'est très difficile. Donc là, Jules va pouvoir renvoyer la balle à deux mains. Je vous invite à regarder ses pieds. On voit que ses pieds tremblent et ils sont tout le temps en train de bouger sur les mobilos.
dès que Jules commence à être chaud, il peut désormais prendre sa raquette et là, il vient exécuter comme des volées de revers directement à renvoyer à son partenaire. C'est un exercice que vous pouvez faire à deux. Ça échauffe les pieds, ça échauffe aussi les chevilles, on les voit bien trembler, et ça échauffe l'œil. La latéralité gauche, toute la latéralité gauche du corps. Là, il y a une variante supplémentaire. On peut envoyer des balles basses à Jules, une balle haute, et en fait, ça vient encore une fois travailler toute sa latéralité gauche. Je vous laisse visualiser. Super. Voilà, c'est vraiment un exercice que tu peux faire avant les matchs, en période aussi pour t'entraîner côté revers. Tu peux les faire n'importe quand. Ici, on est vraiment pour objectif de te chauffer le haut du corps, que ce soit sur les épaules, même un petit peu sur le poignet, sur les abdominaux, sur les dorsaux. C'est toute cette partie haute du corps que tu es en train de travailler pour t'échauffer. Encore une fois, pour t'échauffer avant un match, mais aussi pour te muscler. Donc là, tu es sur une période foncière, une période d'entraînement, tu vas pouvoir muscler ton revers grâce à ce type d'exercice. Ici, on voit bien que Jules n'est pas en train de se précipiter, c'est pas du tout une course, le but c'est pas du tout d'être rapide, mais vraiment d'aller chercher profond derrière, à profond devant, pour aller travailler le muscle dans toute sa longueur, pour s'échauffer. Une variante qu'on peut apporter à cet exercice, cette fois-ci, on vient se resservir des mobilos. Ah merde, la poubelle. Ici, on voit bien que Jules se resserre du mobilo et on voit de nouveau que son pied est en train de trembler à chaque fois. Et vous allez voir, c'est vraiment difficile. En même temps, il est toujours en train de travailler le haut de son corps. L'ensemble des deux vont te permettre d'être hyper chaud avant de rentrer sur un terrain. On peut alterner pied gauche, puis pied droit, et toujours enchaîner les revers. Vous voyez, là, ça fait 1 minute 40 qu'on tourne, et je sens déjà que Jules, ça devient difficile, qu'il est chaud. Et clairement, on voit qu'en 1 minute 40, tu es capable d'être chaud avant un match. Et ça, c'est plutôt que juste d'aller faire un footing pendant 10 minutes. Là, tu viens vraiment dédier des exercices spécifiques tennis. Une variante supplémentaire, c'est tout simplement là le fait d'enchaîner les revers à la suite. Jules a l'air chaud. Jules, tu veux nous en toucher un mot? C'est bon, on peut aller jouer maintenant. Super. Ah non, ça échauffe vraiment les chevilles surtout, pour éviter aussi les entorses, donc pour bien développer sa cheville. Ça échauffe le haut du corps, la rotation des épaules, voilà, pour faire vraiment le même geste et imiter le même geste que le revers. Très bon exercice supplémentaire que tu peux faire avec un partenaire ou tout simplement te lancer toi-même le top. C'est Jules est en train ici de faire un 8 sur un plot. À chaque fois que je vais dire top, Jules devra effectuer un revers. Top. Voilà, là ça repart en 8. Il s'adapte au plot qui bouge, c'est un bon exemple. Dès que je vais dire top, Jules vient faire son revers dès maintenant. Top. Évidemment, si tu es tout seul, tu peux aussi te dire que dès que tu touches le plot orange, tu dois le faire. Top. Top. Une variante supplémentaire qu'on peut faire, c'est je vais dire à Jules top appui en ligne ou top appui ouvert. Top appui ouvert. Voilà. Top appui en ligne. Voilà, donc on voit bien, dès que je dis appui en ligne, il vient s'entraîner sur les appuis en ligne. Et là, on a tourné une minute et il est mort. Donc si Jules est mort, ça veut dire que pour toi aussi, ça sera un exercice qui va travailler. Merci. Un exercice supplémentaire que tu peux faire, c'est travailler la dextérité de tes pieds entre chaque plot. Jules, quand il sera chaud, pourra partir. Donc là, entre chaque plot, il pose deux pieds et il effectue un revers, soit quand il le souhaite, soit toutes les deux plots gauche, soit tu as quelqu'un toujours qui peut te dire top. L'objectif ici, c'est vraiment de travailler la pose de ton pied par terre. Et encore une fois, quand tu rentres sur le terrain après ça, tu vas te sentir beaucoup plus léger. La pose de ton pied va te paraître plus simple. Tu vas être plus à l'aise pour frapper les balles. Je vous laisse visualiser l'exercice.
très important, toujours essayer de regarder bien en face, exactement comme si tu étais un terrain, comme si tu étais sur le terrain, tu regardes l'adversaire en face et ce qui se passe. Ne pas regarder ses pieds. Tu peux le faire sur les premières secondes, de façon à bien voir que tu ne fais pas n'importe quoi, mais une fois que tu es bien, regarde en face l'adversaire et la balle. Voilà, si tu veux retrouver plus de vidéos qui vont te permettre de progresser en revers, j'ai créé avec Jules une formation gratuite qui va te donner tous les détails techniques du revers, du geste au jeu de jambes, à comment être précis, comment être régulier, comment frapper fort, comment mettre les effets. Cette formation est entièrement gratuite. Tu peux la retrouver ci-dessous en cliquant sur le lien. Si tu es sur mobile, tu as une petite flèche qui permet de déplier le menu. Et pareil, en cliquant sur le lien, je t'envoie cette formation gratuite. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.